Bienvenue à chacun, soyez bénis. Je rappelle ce texte tiré du livre du prophète Jérémie. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Lorsque j'examine ce texte, lorsque je m'y attarde, ce texte crée en moi quelque chose une attente une espérance et je pense qu'il en est de même pour vous qu'en lisant ce texte vous vous dites mais il y a quelque chose de bon dans ce texte dieu dit je donnerai la guérison je guérirai mais aussi il dit j'ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité si Dieu dit, j'ouvrirai, c'est donc, euh, il y a ici une notion euh, particulière de quelque chose qui n'existait pas et qui va exister. Quelque chose qui était fermé et qui va s'ouvrir. Et, et c'est ça qui m'encourage beaucoup avec euh, la parole de Dieu, euh, car euh, je découvre euh, cette euh, importance de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu, où Dieu dit et la chose arrive. Merci pour ces chants que nous avons exprimés tout à l'heure. Et dans cette remarque du prophète Jérémie, où il y avait dans sa vie un certain nombre de fardeaux, il y a eu le mais. Le mais qui exprime il va y avoir quelque chose qui va changer mais les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées euh, etc ce matin je voudrais avec vous m'entretenir de euh, ce thème du retour de jésus christ et en accord avec euh, ce texte d'introduction euh, j'aimerais euh, que chacun considère qu'une porte va s'ouvrir pour ceux et celles qui sont prêts, bien sûr, afin qu'ils occupent la place que le Christ s'en est allé préparer. Il est vrai que nous vivons une actualité particulière. Faut-il, justement, en déduire quelque chose de, de particulier euh, peut-être que beaucoup vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, c'est le monde entier qui est concerné par cette pandémie. Et nous ne savons pas encore comment on va vraiment s'en sortir. Il y a de l'espérance, oui, mais voilà. Cette situation... Euh, s'ajoute à tout le reste toute la situation euh, sociale, euh, économique, euh, qui sur le plan mondial est loin d'être euh, au beau fixe. Je voudrais lire un texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21 et au verset 28. Euh, le Christ s'exprime de cette manière. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Voyez cette notion d'une porte qui s'ouvre. Au verset 29, Jésus leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette nation, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Nous avons donc dans ce texte de la parole de Dieu, une annonce. Et cette annonce concerne le retour de Jésus, le retour de Christ. Je voudrais dire que cette vérité des Écritures, soulignée grandement dans la parole de Dieu, est à prendre au plus grand sérieux. C'est une réalité qu'il nous faut considérer. Si vous voulez, et je vous le conseille, puissiez-vous à la maison lire et méditer le chapitre 21 de l'Évangile selon Luc. Il y a dans ce chapitre beaucoup de choses qui concernent le retour de Jésus. Il y a de cela une vingtaine d'années, puisque nous sommes en 2020, euh, nous passions euh, dans le troisième millénaire hein, en l'an 2000. Et avant l'an 2000, et avant ces années, ces premières années de, des années 2000, hein, euh, l'approche du mille, troisième millénaire avait suscité bien des peurs. Ce qu'on avait euh, appelé le syndrome de l'an 2000. Alors peut-être que pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose parce que certains qui nous écoutent ce matin euh, sont bien jeunes. Mais moi, j'ai euh, bien connu cette période hein, puisque euh, j'étais euh, au début, euh, moi, du troisième cycle de mes 20 ans. Hein. Euh, donc euh, j'avais à l'époque à peu près une quarantaine d'années. Les sectes euh, dites euh, apocalyptiques de l'époque, ont quelque part entaché cette vérité de l'évangile concernant le retour de, de Jésus. Euh, certains ont spéculé sur des phénomènes plus ou moins normaux en y voyant euh, euh, les signes de la fin du monde. Et de cette manière, ont ridiculisé malheureusement cette annonce du retour de Jésus. Il y a eu à l'époque, bien sûr, de fausses prophéties émanant de groupes ou de personnes qui s'étaient livrées à des calculs savants, le fanatisme aidant, le mysticisme étant présent dans ces groupements. D'autres même ont été jusqu'à se rassembler en certains endroits pour attendre la fin du monde. Mais tout cela n'a fait que... Jeter le discrédit sur cette réalité de l'Évangile. Ce matin, en vous parlant du retour de Jésus, en m'adressant à vous, je ne cherche pas à faire des pronostics ni des spéculations à propos de l'avenir. Laissons ça à ceux qui se disent voyants et qui finalement trompent leur monde, moyennant quelques monnaies sonnantes et trébuchantes. Néanmoins, considérons ensemble que nous vivons une époque particulière et sans précédent. Alors on peut s'interroger sur cette période qui crée beaucoup d'angoisse, il faut le reconnaître. Hein chez nos contemporains. Et n'est-ce pas là euh, aussi quelque chose à considérer, puisque dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 25, dont je vous parlais de ce chapitre 21, euh, il est dit qu'il y aura de l'angoisse chez les nations. Aujourd'hui, pour euh, ménager la population française, euh, on hésite à dire qu'on euh, va être confiné pendant la période de Noël. Pourquoi Parce que ça crée de l'angoisse. Et, et on sent que le refrain des uns des autres, c'est d'inviter les gens à garder l'espérance. Et ce n'est pas simple pour le milieu, le milieu médical, ce n'est pas simple pour ceux qui nous gouvernent. Pourquoi Parce que nous sommes dans une période particulière. Je le répète, période euh, qui euh, n'a pas connu euh, son précédent. Hein. C'est quelque chose de nouveau. Je vous propose de rappeler quelques textes de la Bible. Euh, dans Matthieu chapitre 24 verset 32, il est dit, Instruisez-vous, et c'est ce que nous avons lu aussi dans l'Évangile selon Luc, une partie. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point pour ce qui est du jour et de l'heure. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et cet autre texte dans l'Évangile selon Jean, où nous euh, voyons que Jésus lui-même annonce son propre retour, en chapitre 14 de Jean, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez, vous y soyez aussi. Et les apôtres ont aussi parlé du retour de Jésus. Aux, euh, au chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, verset 10, il est dit, les prophéties prendront fin quand ce qui est parfait sera venu. Euh, toujours dans Corinthiens, il est dit, ensuite viendra la fin. Dans Timothée, il est dit, l'Esprit dit que dans les derniers temps, donc la fin de quelque chose, euh, aussi dans Timothée, dans les derniers jours, il y aura des temps difficile. L'apôtre Pierre dit, la fin de toute chose est proche. Dans les derniers jours, il y aura des moqueurs qui diront où est la promesse de son avènement. Les anges dit, disent, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Jésus est venu une première fois et lors de sa première venue, il est venu accomplir une mission précise, celle d'abolir la puissance du mal, abolir la puissance du péché par son sacrifice et accorder à l'être humain le pardon des péchés, l'espérance de la vie éternelle, le salut en Christ notre Seigneur. Cette première venue est largement relatée dans les évangiles. Et nous voyons quelle a été la mission de Jésus au travers de cette première venue, son œuvre, euh, le fait qu'il ait parcouru les, les routes de, de la Judée, de la Galilée, de la Samarie ce qu'il a pu proclamer ici et là, les miracles qu'il a pu accomplir, mais aussi le don de sa vie sur la croix pour nous apporter le pardon qui nous était nécessaire, ce pardon indispensable pour pouvoir participer justement à la deuxième venue de Christ et à l'événement qui va se produire et ce qui va s'en suivre. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que Jésus est venu, qu'il a donné sa vie pour le salut de chacun, et que depuis cette première venue, l'humanité tout entière vit ce que nous pouvons appeler le temps de la grâce. Mais il nous faut bien réaliser et bien intégrer que ce temps, un jour ou l'autre, va se terminer, va s'interrompre justement par le fait de la seconde venue de Jésus. Les croyants authentiques, ceux qui placent leur foi en Jésus, attendent cette seconde venue. Et j'aimerais vous parler... Euh, un peu plus en détail mais de cette seconde venue. Tout d'abord euh, l'écriture nous donne quelque chose de précis concernant cette date ce temps du retour de Jésus. Vous savez ce qu'elle nous donne comme précision? Bien tout simplement, c'est que personne ne sait. Au moins, ça, c'est précis. Alors, si certains euh, spéculent euh, sur euh, « Oui, ça va être à telle époque, en telle année, etc. <laughs> », vous pouvez sourire dans votre coin, tout simplement, et dire « Mais, ce n'est pas possible !» Puisque dans le livre des Actes des Apôtres, hein, au moment où les disciples parlent, justement, un petit peu... De cela, ils veulent savoir. Jésus leur répondit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et dans l'évangile selon Matthieu, Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges et cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Par contre, il donne des indices comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement, c'est-à-dire au retour de Jésus, à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Personne ne sait. J'ai dit ici que le Seigneur nous donne quelques indices. Ce matin, je ne m'attarderai pas sur ces indices. Je vous invite à la prochaine méditation sur le thème, puisque nous ne pourrons pas tout aborder en une seule fois. Donc, vous pourrez nous retrouver pour cette prochaine méditation. Mais avant d'aborder pour la prochaine fois cette notion des indices du retour de Jésus, J'aimerais vous dire que euh, le déroulement du retour du Seigneur est expliqué dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, plus de 300 fois, il est fait mention de cette seconde venue du Christ. Jésus lui-même dit ⁇ Je reviendrai euh, ⁇ le Seigneur, donc, va revenir, il descendra du ciel, il va de nouveau quitter son ciel de gloire. Ouais. Si j'examine ces passages du Nouveau Testament, je m'aperçois que le retour de Jésus se fera en plusieurs étapes. Je vous en trace les grandes lignes. Il y aura une première phase où vous retrouvez cette mention de cette phase dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25 du verset 14 au verset 30, hein, où il nous est montré clairement que le retour de Jésus se fera dans les airs. Et là, l'Église, le peuple de Dieu, les croyants, ceux et celles qui auront placé leur foi en Jésus, seront enlevés pour le rencontrer. Les croyants seront alors jugés et recevront la récompense de leur service. Puis, il y aura une deuxième phase de ce retour, où sur la terre, les saints viendront avec Christ, et ce sera à ce moment-là la manifestation apparente du retour de Jésus, une manifestation visible, Jésus venant churques hein, dans le but d'installer sur la terre son royaume messianique. Et vous retrouverez cette euh, notion dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20 et au verset 6. Et il y aura entre ces deux phases un temps particulier, ce qui est appelé euh, dans la parole de Dieu le temps de la grande tribulation qui s'abattra sur la terre et sur les habitants de, donc de ce monde il n'y aura donc pas deux venues mais une seconde venue en une euh, enfin c'est la seconde venue qui elle se déroulera en deux étapes je je voudrais euh, ce matin aussi dire qu'il est important d'être vigilant d'être vigilant pourquoi parce que jésus nous le dit personne ne sait ni le jour ni, ni l'heure ce sera un jour soudain inattendu Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Dans les évangiles, il est dit que le Fils de l'homme viendra à l'heure où on n'y pensera pas. Et puis, Pierre dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Si vous saviez à quel moment le voleur va venir. Vous allez faire le nécessaire. Peut-être vous aurez vous-même peur de le recevoir. Alors, vous avertirez peut-être les forces de police pour dire Oh, il y a un voleur qui va venir chez moi à tel moment et à telle heure. Personne ne sait quand un voleur va venir. Et le voleur s'arrange pour que personne ne le sache, bien sûr. Et Pierre prend cette image pour nous montrer que le retour de Jésus. Euh, voilà personne personne ne le sait simplement euh, la parole de dieu nous éveille éveille notre attention en parlant de signes qui sont comme des avertissements et moi j'y vois ici la grâce de dieu l'amour de dieu ce Dieu qui veut notre salut, ce Dieu qui veut notre bien-être, ce Dieu qui veut euh, que notre vie soit arrachée aux ténèbres, arrachée à la puissance humaine, ce Dieu qui a mis tout en œuvre pour notre salut, même concernant la seconde venue du Christ, eh bien, Dieu manifeste cette, cette grâce, cet amour en nous disant, voilà, il y a un certain nombre de choses. Qui vont se produire et qui doivent vous éveiller afin de vous préparer. De vous préparer. Et c'est là peut-être la grande interpellation qu'il nous faut comprendre ce matin. C'est celle de se préparer. Dans l'Évangile, selon Luc, ce que nous avons lu ce matin, il est dit quand ces choses commenceront à arriver, Relevez, relevez la tête. Soyez plein d'espérance. C'est vrai que nous vivons une époque particulière et c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrances, beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de, de fardeaux, beaucoup de soucis. Mais j'aimerais que chacun puisse avoir le cœur rempli d'espérance parce qu'une porte va s'ouvrir. Cette porte du retour de Jésus, cette porte de, de la fin, justement, des angoisses, de ses douleurs, de ses souffrances. Parce que, avec la seconde venue du Christ, va se préparer la fin du royaume du mal, du péché, de la puissance des ténèbres. Avec cette seconde venue de Christ va se préparer la fin des souffrances, la fin des larmes, la fin des cris, la fin des injustices. Une porte va s'ouvrir. C'est celle de l'établissement du royaume de Dieu. C'est celle de la transformation de toutes choses. Donc nous sommes dans l'espérance, en tant que croyants. Mais, mais. La parole de Dieu nous dit, euh, quand le Fils de l'homme trouvera viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Il est important que nos cœurs demeurent dans la foi, pas n'importe quelle foi. Et je fais une différence entre la foi et la spiritualité. Tiens. La foi dans le Christ. La foi en Jésus, car il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes pour leur salut, c'est le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Christ lui-même. Il est notre avocat, il est le chemin, il est la vie, il est le bon berger, il est la vérité. Donc Jésus dit Mais quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi Cette foi en mon nom cette fois en moi jésus dit croyez en dieu croyez en moi et c'est important de garder la foi dans ces moments de trouble que nous vivons dans ces moments d'angoisse parce que nous ne savons pas si jésus va revenir demain ou dans ces huit jours ou dans un an ou dans cinq ans ou dans dix ans mais nous sommes à une période où des choses annoncent son retour et pendant cette période, ce qui est important pour chacun, c'est d'avoir la foi. Je ne parle pas d'avoir une spiritualité parce que beaucoup de gens aujourd'hui parlent de spiritualité. Ce que je veux dire ce matin, c'est cette foi réelle et authentique dans l'œuvre de Jésus, sachant que seul Jésus a donné sa vie pour que nous entrions dans son ciel et que nous participions à l'enlèvement de l'Église. Et il est lui-même la porte, cette porte qui va s'ouvrir. Je voudrais souligner encore que dans ces derniers temps, la Bible nous dit que l'iniquité va s'accroître et que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Est-il nécessaire de s'étendre ce matin sur euh, cette réalité de l'iniquité qui s'accroît À chaque seconde vous le voyez dans ce monde. C'est une réalité. Le mal règne. C'est la confusion. On ne sait plus ce qui est bien. Je, je me fais du souci pour les enfants, les jeunes qui grandissent dans ce monde, parce que euh, euh, moi j'appartiens à cette génération qui avait certains repères, mais ces repères ont disparu de la société. Et les enfants qui naissent, les enfants qui grandissent n'ont plus ces repères que nous, nous avions il y a peut-être 40, 60 ans en arrière. L'iniquité s'accroît et le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Cette iniquité qui s'accroît va produire quelque chose, va produire une espèce de pression sur le croyant au point que son amour se refroidissent. C'est pourquoi nous devons veiller afin que notre amour pour le Seigneur, l'amour de Dieu en nous, ne se refroidisse pas. Si j'emmenais euh, euh, mon ordinateur avec sa caméra devant la cheminée qui est juste à côté de moi, vous verriez que il y a du feu dans la cheminée. Tiens. Mais pour qu'il y ait du feu, il faut mettre du bois. Et s'il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. C'est la même chose avec l'amour de Dieu. Il faut entretenir cet amour de Dieu dans nos cœurs. Comment l'entretenir si ce n'est par une relation personnelle avec Dieu, une vie de prière, hein, par la lecture de la parole de Dieu, dans une relation avec Dieu, hein, et demandant au Père vraiment d'imprimer en nous le caractère de Jésus, hein, de mettre en nous les sentiments de Jésus. Hein. Il nous faut veiller sur nous-mêmes, sur nos pensées, sur nos sentiments, sur nos raisonnements, afin que jamais, au oh, grand jamais, la mentalité du monde se saisisse de nous et finisse par faire de nous des gens semblables à ceux et à celles qui n'ont pas de foi, ni Dieu, ni loi. Il faut que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs. Aussi, la Bible nous dit que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais il serait abrégé ces jours, nous dit Dieu, nous dit la parole de Dieu, à cause des élus, parce que Dieu veut sauver. Alors il va mettre un terme à la puissance du mal, à la puissance du péché. Il est difficile d'imaginer les, les mises en place de pièges diaboliques qui peuvent se faire dans ce monde. Mais ils sont là, ils existent, ils sont mis en œuvre, au point de vouloir détourner le croyant de son espérance et les âmes de pouvoir espérer dans le retour de Jésus. Je termine pour ce matin en disant que l'attitude que nous devons avoir dans l'attente de la seconde venue de Jésus. Et je le redis, la prochaine fois, je vous parlerai des signes annonciateurs. Mais je voudrais ce matin terminer en parlant de nos attitudes, les attitudes que nous devons avoir. Dans l'Évangile selon Matthieu, il est dit, Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il nous faut persévérer dans la foi et dans l'amour. Il est dit dans Matthieu aussi chapitre 24, hein, veillez, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, veillez. Dans l'évangile selon Luc, ce que nous avons lu, il est dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Qu'est-ce que c'est que redresser sa tête se redresser soi-même, sinon euh, adopter une position de foi et de dire, mais euh, même si les choses deviennent difficiles, compliquées dans ce monde, nous, nous avons une espérance et nous attendons le retour de Jésus. Alors nous, nous nous redressons, nous levons la tête et nous marchons pour apporter à ceux et à celles qui nous entourent cette espérance que nous-mêmes nous avons. Nous n'allons pas euh, nous laisser abattre, euh, rentrer la tête dans les épaules, euh, traîner les pieds, non. Quelqu'un un jour euh, a écrit euh, ce livre, Les gens les plus heureux de la terre. Et c'est vrai que euh, nous sommes heureux parce que nous connaissons Jésus. Il a changé nos vies. Il a pardonné nos péchés, il nous donne une espérance, il est là à nos côtés quotidiennement, et nous savons que ce Jésus qui est venu va revenir et qu'il va mettre un terme à toute cette somme de souffrances, de larmes, de pleurs, de cris. Alors, on relève la tête, on se redresse. Et on attend avec espérance ce retour de Jésus. Et dans l'attente de ce retour, nous voulons être de ceux et de celles qui veillent, de ceux et de celles qui continuent à travailler pour l'œuvre de Dieu, afin que d'autres soient sauvés, d'autres soient touchés par l'amour de Dieu. Et puis, ce sera le dernier verset dans l'Évangile selon Luc chapitre 21 encore, il est dit... Prenez garde à vous-même. Veillez et priez en tout temps. Prenez garde à vous-même. Important de, de veiller sur sa propre vie. Chacun est responsable pour lui-même. Chacun rendra des comptes à Dieu pour lui-même. Nous devons veiller afin de paraître debout. Dans cette attitude, comme je vous l'ai dit, on se redresse, on lève la tête. Pourquoi Parce qu'on a une espérance et on veille sur nous afin que notre vie ne soit pas la proie de tous ces pièges qui sont là sur le chemin et qui veulent nous happer, nous absorber et nous éloigner du Seigneur. Je dirais que, pour conclure, que nous pouvons faire cette prière, c'est dire, Seigneur, Garde-moi, garde-moi, garde-moi dans la foi, garde-moi dans l'amour, garde-moi debout, hein, afin que je sois veillant et priant pour le jour de ton retour. Que Dieu vous bénisse.